saisis-toi, putain, Drake, on a tout répété, y'a aucune raison que ça parte en couille. Je sais, mais tu sais bien que peu importe une fois qu'on répète, j'ai toujours ce moment fibre avant de passer à l'acte. Mais déconne pas, y'a aucune raison que ce soit pas comme les autres fois, ok? Je sais pas, je la sens pas celle-là, c'est tout, depuis le début je la sens pas. Bah, tant qu'on sort les poches pleines de fric, tout me va. Tu vois, c'est avec ce genre de mentalité qu'on y arrivera. De toute façon, c'est l'heure. En tenue, on bouge. Sérieux là? Tu crois vraiment que le Seigneur il va aider des types comme nous? C'est une chance comme une autre, non? Kiff, tu peux être con parfois! Il a un AK-47 ton Seigneur? Mieux, il a la lumière divine lui. Oh, bah tu me diras quand la lumière divine aura des balles de 45 mm, ok? Tu me guides sur le chemin de la rédemption. Merci Seigneur. Camarades, que la fête commence! Merde! T'es obligé de faire ça toi aussi là? Ça va, ferme ta gueule, c'est fait! Mais vous attendez quoi là, les keufs? On bouge! Stop! Ça commence à faire un petit moment que ça a commencé, non? Et vous demandez sûrement pourquoi je ne suis pas encore intervenu. Revenons un peu en arrière. Je suis pas mal. Alors. Oh. De la merde. De la merde. Hé, hey, t'es vache là, Valé Rodrigue, ils ont vachement bossé sur le scénario. Non mais sérieux, ferme ta gueule. Même dans un film de Godard, il y a plus de sang et de cul. Ouais. Non, là je suis d'accord, c'est de la merde. C'est ton film, putain. Coule ton bronze, range ton matos et bouge ton cul pour rattraper tout ça. Non mais vous y croyez, vous? C'est ma propre scène et je peux même pas chier tranquille. C'est quoi ce bordel? Elle est où la pièce? Mais on s'était garé là, elle était là la caisse. C'est quoi ça? C'est qui ce putain de guignol? C'est plutôt à toi que je devrais poser la question, mon vieux. Qu'est-ce que vous branlez dans mon film alors que je chie peinard? C'est qui ce taré, putain? Sûrement un connard qui essaie de nous doubler. J'en ai rien à foutre, vous le butez tout de suite. Ouais, je suis d'accord, je sens pas trop ce mec. Il est où? Arrête de bouger! Attends, comment il a fait ça là? Mais c'est quoi ce look en plus? Hé, hey, c'est pas gentil ça. Ah oui, vous me demandez sûrement pourquoi le look Deadpool à Streetwear. C'est pour rentrer dans les Avengers. Hein, n'est-ce pas Tom Holland? Et si le prochain Spider-Man arrive à rentrer dans l'équipe du Captain en jogging, ça vaut le coup de tenter, non? Dis plutôt qu'on n'a pas de budget, on aura l'air moins con. Mais tu parles à qui là, tu vois, putain? On s'en prend là, on va juste le buter maintenant! Deadpool! C'est pas le connard avec la bouche cousue dans X-Men Origins? Oups! Pardon, tu disais? Bon, c'est vrai que sur ce coup-là, ils étaient à côté de la plaque.
Hé, ferme-la, on a dit qu'on n'en parlerait plus. Hé, je vous rappelle que je vous entends, là. Merci, le taré. De toute façon, je comptais me charger de moi-même. Ah bah écoute, à 4 jours de la Saint-Valentin, je me disais que c'était plus sympa de se faire un petit truc intime, quoi. Entre mecs. Enfin, si c'est ton truc, quoi. Moi, je juge pas, hein. Mais je suis pas contre découvrir de nouveaux horizons. Ah merde, attends, je parle. Ah, fais chier, oui. C'est le moment du monologue du méchant. De toute façon, tu sais très bien qu'entre toi et moi, je suis la Némésis. Et tu sais ce que c'est qu'une Némésis ? C'est un juste châtiment légitimement infligé par l'intermédiaire d'un agent approprié, personnifié, en l'occurrence par un véritable salaud. C'est-à-dire, moi. C'est ça. Allez, salut. Check. Oh. En attendant, si vous voulez voir un vrai film avec un vrai Deadpool, allez plutôt au cinéma, mon film vient de sortir. Moi, en attendant, je vais aller me bouffer des burritos. Hey, Spider-Man, attends-moi. Bonjour à toi, chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de Deadpool, le long métrage de Tim Miller. L'histoire, c'est celle de Wade Wilson, qui est un ancien des forces spéciales et qui s'est reconverti en tant que mercenaire, qui va découvrir qu'il a des cancers multiples dans plusieurs parties de son corps et qui va se voir offrir par un agent un peu mystérieux, qu'il va surnommer l'agent Smith, l'opportunité de se guérir de ses cancers et de devenir un surhomme, voire même un super-héros. Autant rester mystérieux dans le pitch, parce que déjà, ça n'est pas ça le postulat de base, en fait, quand le long-métrage commence. Ça commence par un autre moment du film, qui est plus tard dans la narration, et en fait, c'est ensuite que l'on revient à ce moment-là, et vraiment à la base de l'histoire. Et c'est ça qui est assez intéressant, parce que ça change un petit peu dans les films de super-héros, surtout dans les films de super-héros Marvel. Celui-là, il était attendu, de films de super-héros. Extrêmement attendu. D'abord parce que ça remonte à très longtemps, Deadpool et Ryan Reynolds, ça remonte à X-Men Origins Wolverine, un souvenir qu'il a voulu effacer des mémoires de tous les spectateurs qui ont vu le film avec ce long métrage. Ça fait 11 ans qu'il bosse sur le projet, ça fait 11 ans qu'il a envie de porter Deadpool à l'écran et ça fait 11 ans qu'il a envie de rendre hommage au comic book d'origine. C'est largement chose faite avec le long métrage qui sort aujourd'hui. Deadpool est une sorte d'étape dans le film de super-héros, ça n'est pas forcément l'étape qu'on attendait. Ça n'est pas le film de super-héros qui était attendu par tout le monde, mais c'est clairement une étape dans un sens. Parce que Deadpool est un film intelligent, est un film débile, mais dans le bon sens du terme, est un film qui crée des situations pour les désamorcer tout de suite de manière extrêmement fine, et qui surtout comprend totalement le principe du personnage. Parce que le personnage de Deadpool, c'est un personnage qui brise le quatrième mur constamment, c'est un personnage qui est complètement loufoque, c'est un personnage qui est décalé, c'est limite un sidekick et un comic relief, et il fonctionne à merveille dans le long-métrage en question. Il fonctionne déjà à merveille parce qu'il y a deux très bons scénaristes qui ont bossé sur le personnage, qui sont Rhett Reese et Paul Wernick. Ces deux scénaristes-là, ils ont vraiment compris comment mettre en place ce personnage. Parce que, dans un sens, et ça va poser problème pour certains, Deadpool n'est qu'une mise en place du personnage de Wade Wilson dans ce long métrage. Et ça n'a rien à voir avec la mise en place qu'on a pu avoir sur les 4 Fantastiques de Jock Strank. Les 4 Fantastiques de Jock Strank avaient énormément de défauts. Là, il y en a très très peu dans le long métrage Deadpool. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une mise en place de personnage, et c'est une mise en place qui se fait, à contrario de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'en fait, la narration est vraiment découpée en deux temps. On a un premier temps où le film va jouer entre une séquence, la fameuse séquence sur le pont où il va vouloir choper Francis, qui est la personne qui l'a transformé en Deadpool, et toute la genèse du personnage. Et donc le fait de jouer sur ces deux scènes et d'alterner vraiment une narration qui est équilibrée dans cette première partie, ça donne du rythme au long métrage et surtout ça change de ce qu'on a l'habitude de voir dans le genre, parce que souvent dans ce genre de narration, ce qu'on fait, c'est on met simplement en place le personnage du début, puis on fait évoluer la narration jusqu'à le faire découvrir ses pouvoirs, et ensuite on laisse la narration se développer. Là, l'intérêt du film, c'est que le film commence, il a déjà ses pouvoirs, et on voit déjà le Deadpool que l'on va découvrir par la suite. Ensuite, l'intérêt, c'est vraiment de revenir à comment le personnage a été créé, pour ensuite permettre à la narration d'avoir de l'intérêt et surtout de donner du ressort dramatique à la deuxième partie du film, parce que la deuxième partie du film est linéaire, elle est vraiment, d'un point de vue dramatique, très simple. Et c'est en partie un défaut du film, c'est-à-dire que le film est assez simple.
pas simpliste, juste simple. C'est-à-dire que sa narration ne cherche pas à créer des personnages qui ont une densité caractérielle ou dramatique forte, ou même tragique. Non, c'est simplement de poser des personnages et de les voir évoluer. Au-delà de ça, donc, la mise en scène de Tim Miller, dont c'est le premier long métrage, ce qui est assez surprenant, elle est assez simple. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle arrive bien à poser le personnage et elle arrive bien à le mettre en place à l'écran. Et c'est en partie tout ce qu'on demande à ce genre de long métrage, c'est d'arriver à parvenir à poser le personnage. Parce que, au-delà de ça, la mise en scène, elle n'a pas grand-chose d'extraordinaire. Elle ne tente pas des paris techniques, elle n'a pas quelque chose de... qui tape à l'œil, dans le sens où elle ne cherche pas à innover techniquement, elle ne cherche pas à pousser d'un point de vue technologique quelque chose de nouveau. Elle cherche simplement à mettre en place le personnage et à rendre les scènes d'action limpides. Et là, pour ça, c'est plutôt intéressant parce que aujourd'hui, la tendance qu'il y a dans les films de super-héros, c'est soit de jouer la carte du film pris sur le vif, en caméra à l'épaule, ou alors de vraiment le styliser. Et là, on est un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire que le film a un certain style, mais il n'est pas stylisé. Il est simplement mis en place de telle manière parce qu'on ait une narration efficace et tout l'ensemble dramatique et comique, très important, soit clair pour le spectateur. Parce que le comique est très bien utilisé de la part de Tim Miller. Il est très bien utilisé, que ce soit avec les séquences de gags, avec le brisage de quatrième mur dont fait office le personnage de Deadpool. Enfin voilà, on a vraiment tout un jeu avec ça et c'est très très bien fait. Il y a des références à la pop culture qui sont extrêmement fines. Il y a des jeux avec l'univers Marvel, il y a des jeux avec les X-Men, beaucoup de jeux avec les X-Men. Et rien qu'avec ça, en fait, Tim Miller, il arrive à convaincre parce que c'était le but du long métrage, c'était tout l'intérêt du film de jouer avec ça. Et pour le coup, ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi parce qu'il y a un casting de tête pour ce long métrage. Un casting déjà donc, qui est emmené par Ryan Reynolds. Alors Ryan Reynolds, il est juste parfait. Là, il est juste fou, il est efficace du début à la fin. Il est à mourir de rire, mais vraiment à mourir de rire. Son personnage est extrêmement bien amené, c'est intelligent, c'est fin, c'est drôle, mais vraiment drôle. Et il est très très bien accompagné parce que le casting secondaire assez intelligent, Morena Baccarin, qui joue donc le personnage de Vanessa, est excellente. Ed Skrein, qu'on avait pu voir dans Le Transporteur de l'Héritage, montre ici qu'il sait bien plus faire qu'un simplement un monolithe dans une Audi. Donc il fonctionne à merveille dans le rôle de l'antagoniste. Gina Carano, qu'on avait vu dans Piégé de Steven Soderbergh, est excellente elle aussi. Et Brianna Hildebrand et Andre Tricoteux, pas une blague, c'est vraiment son nom, dans les rôles de Ellie et Piotr sont vraiment excellents. Et en plus, T.J. Miller, le génial comic relief de Transformers 4, est à mourir de rire ici, est vraiment à mourir de rire. Il apporte beaucoup de scènes qui sont excellentes et il fait des jeux de mots qui sont une tuerie. Donc voilà, Deadpool, c'est un excellent film de super-héros, c'est un excellent divertissement, c'est un film qui est drôle, qui est intelligent, qui est vraiment drôle, vraiment drôle, vraiment vraiment drôle, du début à la fin, qui a une mise en scène qui est simple, mais qui fait le travail, et qui a un scénario qui est en béton, et qui a en plus un interprète central, qui est juste dingue, et qui joue vraiment bien avec son image. Donc Deadpool de Tim Miller, allez le voir en salle, c'est vraiment un excellent film. A plus. I wanna shoot, baby. J'ai attrapé le téléphone. Seigneur, nous te remercions pour chaque jour que tu fais. T'es sérieux là, putain? J'ai passionné. C'est qui ce putain de guignol? Il est sur ma bagnole. Action! Pan, pan!